balobi mama mardi ne mama mardi ne balobi shop Africa Union mais quand t'es un nyoso biloko ya ya wali yo kongole oni ginde kola yo a sali sa yote bona kolia na yo moko babonde la yo bona nzoto na yo babo ya ele poko babonde la yo balobi bio Bio Africa Union et toi t'es tout à coup on a pas chinois sinon on est pas ya sinon on est ali Ne colère pas de ça, parce que c'est un logo ya mboka ya fresh ya bio, bio na bio, bio na bio. Si on a mamba yo, kula mon kanja isali. Barubi njomo ya ali. Enkuba baniwa. Barubi njenge isali. Zakomba kanga ya shwe mboto ya mbisi na. Barubi niyama ya mbosu ya mbombo so isaga ne. Kala ngando ne na lali na basi. Oyetike na sutu. Ezako liya na peti. Kwa mama mbande. Ya solo. Bon, va te comprendre, t'es maoua. Va comme où allons-nous? Où allons-nous? Bon, à Coriana, puis nous m'envoie. Va voir les radios, Coriana, appétit. Mesdames et messieurs, le plaisir est de mon côté aujourd'hui, 2021. Le deuxième numéro de l'année, c'est un grand honneur de recevoir pour vous la crème intellectuelle de mon pays, représentée aujourd'hui par le professeur, encore une fois, le professeur André Mbata. Je rappelle que le professeur André Mbata est non seulement le parrain de Congo Buzz, mais c'est aussi un invité permanent et notre expert en matière constitutionnelle et notre expert en matière, je dirais en matière politique même d'ailleurs. On reçoit, on fait recours au professeur Mbata, on le cite dans nos émissions. On fait recours à lui parce qu'il a un argument d'autorité et quand il vient passer à Congo Buzz, ça a toujours été pour nous un grand honneur. Il est professeur des universités, il enseigne le droit, je vais dire l'un des droits fondamentaux de notre pays, le droit constitutionnel. Il enseigne ici à l'UNIKIN et puis dans plusieurs universités à travers le monde. Professeur André Mbata, bonjour. Bonjour Christian. Bonne année d'abord. Hein. Bonne année, je voudrais profiter de cette occasion. Je sais que vous avez plusieurs personnes qui vous suivent à travers le monde et je reçois moi-même parfois des réactions des États-Unis, d'Europe, d'Australie, d'Asie et du continent africain, sans oublier le pays lui-même. Donc il y a plusieurs personnes qui suivent vos émissions. Je voudrais profiter de cette occasion pour leur présenter également tous mes voeux les meilleurs pour l'année 2021 qui pointe déjà à l'horizon. Alors, il faut rappeler qu'on a été avec vous pendant toute cette année, plusieurs émissions. Parce qu'ensemble, on suivait l'évolution, l'actualité jusqu'à la fin. Qu'est-ce que l'on retient de ces deux ans de Félix Tshisekedi à la tête de ce pays? Bon, je crois que ce n'est pas une question facile. Parce que s'il faut résumer, en fait, ou donner un avis sur deux ans d'un régime, bon, c'est à la fois peu et c'est beaucoup à la fois aussi. Ce qu'on peut dire, c'est que Félix Tshisekedi, il a dû lui-même dans ses... Ces deux adresses, donc avant les consultations, après les consultations, et Félix Tshisekedi, le président de la République, a reconnu lui-même que ce n'était pas deux années faciles. D'abord, il y a eu l'alternance dans ce pays, ce qui est formidable. Une alternance qui n'a pas été un cadeau de M. Kabila, mais c'est le peuple, notre peuple s'est battu dans toutes ses composantes pour qu'on respecte la Constitution, pour qu'il y ait l'alternance dans notre pays tel que c'est prévu dans la Constitution. Ça a eu lieu. Nous avons un nouveau président de la République, c'est Félix Tshisekedi. Il y a eu assez de problèmes compte tenu du fait que Félix Tshisekedi n'avait pas la majorité, entre guillemets, et à l'Assemblée nationale. Il a dit lui-même, c'était deux années difficiles. Il a promis des choses au peuple congolais. Il a promis les changements, mais il a reconnu qu'il ne pouvait pas le faire parce qu'il devait travailler avec des gens qui avaient une autre logique. C'était en fait deux logiques différentes. La logique du changement incarné par Félix Tshisekedi, président de la République, et la logique du status quo, la logique de l'inanition de la nation incarnée par le clan Kabila. Et ces deux logiques-là ne pouvaient pas survivre pendant longtemps. Et Félix Tshisekedi a fait preuve de beaucoup d'ingéniosité. Parce que lorsqu'il avait dit aux États-Unis, il faut déboulonner, les gens criaient. Et les gens ont réagi. Il fallait aller doucement. Il fallait aller doucement pour arriver au but. Donc, ça a pris du temps. Et l'année qui se termine, je crois, il se termine sur de bonnes nouvelles. Nous commençons une nouvelle année sur de nouvelles perspectives. Et on a mis un terme à cette fameuse coalition FCC-CACH.
le président de la République peut maintenant, avec une nouvelle majorité, gouverner, diriger le pays autrement. Alors, le FCC reproche le président Félix Tshisekedi de beaucoup vouloir violer la Constitution. Martin Fayulu l'a aussi dit que tout se passe maintenant en violation des constitutions. Mozito regrette les regrets en termes de démocratie. Il dit qu'on est en train de reculer, de régresser, de perdre beaucoup plus de points en termes de démocratie. Est-ce que le président Félix Tshisekedi ne devient-il pas forcément un dictateur, sinon un mini-dictateur? Bon, sur la Constitution, je crois qu'ici, on a dit plusieurs fois plus de la même chose. Ça fait quand même mal qu'on puisse répéter les mêmes choses. On a dit tout le monde n'est pas juriste. Tout juriste n'est pas constitutionnaliste. Vous avez cité Martin Fayulu. Et tout constitutionnaliste n'est pas bon. Tout constitutionnaliste n'est pas bon. Il y a des minables. Oui, et de nombreux sont minables. D'accord. Martin Fayulu, mon ami Martin Fayulu, à qui je présente aussi mes voeux, Martin Fayulu n'est pas constitutionnaliste. Et il n'est entouré par aucun constitutionnaliste que l'on connaît dans ce pays. Si, mais il a comme des avocats autour de lui. On vient de le dire, un avocat n'est pas un constitutionnaliste. Ouais. Ces fameux experts, ils sont experts en quoi? Donc, mon ami Martin Fayulu n'est entouré par aucun constitutionnaliste. Mais Adolphe Mozito, il n'est entouré par aucun constitutionnaliste, c'est un financier. Les deux d'ailleurs sont des financiers, ils peuvent mieux parler des affaires et des chiffres. Ils ne sont entourés par aucun constitutionnaliste. Le FCC, c'est une carence terrible. Mais le FCC est vide. Il n'y a pas de constitutionnaliste respectable au niveau du FCC. Le pauvre Bouchab, le pauvre Kamoukouni et bien d'autres. Hein. Non, le pauvre Kamoukouni est parti, il est décédé. Oui. Et il nous a quittés. C'est en fait aussi, quand on parle du pauvre Kamoukouni, c'est un aîné à moi. Mais j'ai eu aussi la chance de co-diriger sa thèse. J'étais l'un des co-directeurs de sa thèse avec le professeur Evariste Bouchab. Et il faut aussi dire aussi une chose. C'est que moi, je donne le cours de droit constitutionnel. Et quand nous étions, le pauvre Kamoukouni était là, nous étions à deux dans ce pays à donner le cours de droit constitutionnel dans la plus grande université de ce pays, c'est l'université de Kinshasa. Et avec le départ du professeur Kamoukouni, que je regrette, mais à ce jour, en attendant, je suis l'unique professeur qui enseigne le droit constitutionnel dans la plus grande faculté de la République. Le professeur Bouchab aussi. Le pauvre Bouchab, on n'enseigne pas. Oui, il n'enseigne pas le droit constitutionnel. Maintenant, on vient de lui donner le cours, je crois. Le pauvre Bouchab, on ne donnait plus le cours de droit constitutionnel. Maintenant, il donne quel cours? On lui a donné quel cours? Il n'en a pas. Maintenant, il va récupérer, mais je crois qu'il va prendre le cours de. On va se retrouver, ce sera intéressant. Ouais. Il va aussi donner le cours de droit constitutionnel congolais. Ouais. En quelle année, lui maintenant? En deuxième année. Et vous, en deuxième aussi? Oui. Ah, vous, il vient me rejoindre. Oui. Donc, en attendant, je suis le seul qui donne le cours de droit constitutionnel dans la plus grande faculté de la plus grande université de ce pays. Il n'y en a pas d'autre. Au niveau du FCC, ça ne s'exclut pas. Ils n'ont pas. Quel constitutionnaliste? Le pauvre Bouchabou, c'était un constitutionnaliste. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'est pas. C'était un constitutionnaliste. Mais j'ai dit tous les constitutionnalistes ne sont pas bons. Il y en a des minables aussi. Mais lui, il n'est pas minable. Non. Si vous évoquez une théorie, un cas, je vous dirais là où il est allé, par exemple. Bon. On se trompe aussi. Parce que dernièrement, lorsque le professeur Evariste Bouchab a parlé du primo ministériel, est parti parler du régime primo ministériel. Mais c'était une hérésie. Heureusement qu'il l'a fait dans une université, pas de grand nom, l'université de Kolwezi. Oui, mais c'est pas une petite université, ça reste une université. Non, moi, je ne connais pas un seul grand. Une université, c'est quoi? Une université, ce n'est pas le nom. Vous avez une bibliothèque? L'université, ce n'est pas vous faites un ligablo, vous mettez l'université d'Afrique centrale ou... Ce n'est pas ça. Est-ce que vous avez des bibliothèques? Est-ce que vous avez des enseignants? Vous avez des professeurs? Est-ce que vous pouvez me citer un seul professeur qui est connu, qui est de l'université de Kolwezi, dans ce pays, connu dans ce pays en dehors? Non. Alors je dis, je ne veux pas suivre, évidemment, le régime primaire au ministère. Mais c'était une hérésie. Mais qui a été encouragé par le prof Kabamba? Qui? Le prof Kabamba? Non. Qui lui aussi a dit que... Le prof Kabamba n'est pas constitutionnaliste. On va le dire combien de fois. C'est un politologue. Il fait de la politologie, le prof Kabamba. Quand vous allez en Belgique, vous ne voyez pas le nom du professeur Kabamba parmi les grands constitutionnalistes, parmi les constitutionnalistes belges. Il n'enseigne même pas le droit constitutionnel congolais, belge. Et comment il serait, il deviendrait spécialiste en droit constitutionnel congolais qui est loin? Est-ce que vous pouvez nous dire, professeur, que... Donc, sur le plan du fond, on va aller à l'essentiel. Est-ce que le président Félix, et on va parler tout à l'heure des ordonnances, le président Félix Tshisekedi est mieux entouré que celui qui nous a dirigé pendant 18 ans. Mais qui l'entoure? En matière de droit. Qui l'entoure en matière de droit? Oui.
Le président Félix Tshisekedi est mieux entouré qu'aucun autre chef de l'État dans ce pays depuis 20 ans. Mais toutes ces ordonnances sont critiquées, attaquées. Mais critiquées par les gens qui ne connaissent pas. Il faut vous dire, si vous critiquez, vous ne connaissez rien, vous critiquez. Pourquoi est-ce qu'on doit vous suivre? Parce que vous ne connaissez pas. Voulez-vous nous dire que le président Félix Tshisekedi n'a jamais violé la Constitution? Aucune de ces ordonnances n'a violé la Constitution. Mais ça, ce n'est pas moi, c'est vous. ce n'est pas vous. Ce sont ceux qui le disent. Oui. Dites-moi, quelle est l'ordonnance qu'ils ont déjà prouvée que le président Félix Tshisekedi a violé, par laquelle a violé la Constitution? La nomination des juges, ils disent que les juges étaient inamovibles, mais vous l'avez bougé. Quoi? Mais on a dit, c'est la Constitution qui dit que l'inamovibilité n'est pas absolue. Lorsqu'il y a une nomination nouvelle, ou par rotation, les juges peuvent être déplacés. C'est la Constitution qui le dit. Et je crois que finalement, et ça, c'est tout, ça a toujours été mon souci, il faut apprendre le droit constitutionnel aux gens. Il a violé, mais s'il a violé, supposons qu'il avait violé. OK. Mais allez à la Cour constitutionnelle, si vous avez des juristes. Est-ce que vous connaissez un procès où ils sont allés à la Cour constitutionnelle contester? Non. Mais ils sont allés en interprétation de la loi sur la question des juges. Oui, laquelle? Oui, ben, ils sont allés. Ils ont gagné? Non, pas du tout. Mais alors, c'est-à-dire qu'ils ne connaissent pas la Constitution. Si vous dites qu'il a violé, vous êtes Martin Fayulu, vous êtes Adolphe Mouzito, vous êtes du FCC ou quoi. Mais allez à la Cour. Est-ce qu'il y a un seul cas où ces personnes, où ces groupements de personnes, en réalité, ce sont des alliés? Je crois que l'opposition de demain sera constituée par le PPRD, ne disons pas FCC, une partie du PPRD, alliée avec les idées. Donc, vous condamnez Fayulu, Mouzito, Kabila dans l'opposition? Mais ils sont dans l'opposition. C'est l'opposition, en réalité. Mais ils ne connaissent pas dans l'opposition parce que le FCC revendique 200 députés, professeur, qui ont encore été jusque-là fidèles, loyaux. Tout le bureau du FCC est tombé. Tous les bureaux, sans exception. S'ils avaient la majorité à l'Assemblée nationale, mais ils auraient pu sauver Mme Mabunda, battue, qui a perdu son siège. Ils auraient pu sauver Balamagué. Ils pouvaient sauver le professeur Moussao. Ils pouvaient sauver le questeur. L'autre a eu la vie sauve. Pourquoi? Parce qu'il est tombé malade. Et il sera déçu. Et comment vous pouvez dire, nous avons la majorité, et vous perdez tous les bureaux à l'Assemblée nationale, il n'y a plus de majorité. Comment le mécanisme parlementaire s'effectue, professeur? À partir de quel moment on est dans l'opposition? À partir de quel moment on est disons dans d'abord ceci, que le FCC, entre guillemets, le FCC n'existe plus. Il n'existe que dans la tête de ces gens. Parce que parmi les signataires, les pétitionnaires, ceux qui ont adhéré à l'Union Sacrée, cher ami. Mais il y a plusieurs personnes du PPRD. Il y a plusieurs personnes, plusieurs personnalités des AAB, de tous ces groupements. Oui, même de l'AFDC, qui sont là-dedans. Mais ça ne vide pas substantiellement. Oui. Et puis, ce n'est pas fini. Vous venez de suivre la conférence de gouverneurs. Oui. 26 provinces, 25 gouverneurs sur 26, ils vous disent qu'ils sont à l'Union Sacrée. Qu'est-ce que c'est-il encore? Sauf Zoé Kabila. Mais Zoé Kabila, c'est qui? Non. Zoé Kabila, il faut comprendre. C'est le gouverneur du Tanganyika. Oui, mais c'est le gouverneur. Mais il faut comprendre. Mais tous ces gouverneurs qui comprennent les choses, 25, ils ont adhéré à l'Union Sacrée. Nous parlons encore de quoi? Mais est-ce que Martin Fayulu n'a pas raison quand il pense que c'est une tour de Babel, l'Union Sacrée, où il dit... Ceux qui étaient hier comme des méchants, des mauvaises personnes, des corrompus, des corruptibles, c'est avec eux que vous voulez reformer la nouvelle majorité parlementaire. Finalement, pourquoi vous vous êtes battu? Il y a ceci, malheureusement. Vous savez, l'erreur est humaine. Mais c'est persévérer dans l'erreur, comme il le fait, qui est diabolique. L'erreur est humaine, vous citez Martin Fayulu, un ami, mais c'est persévérer dans l'erreur, là, c'est ça qui est diabolique. Non. Si vous vous rendez compte aujourd'hui que vous étiez sur la mauvaise voie, aujourd'hui j'adhère à l'Union Sacrée de la Nation pour avancer la nation. Mais c'est ça ce qu'il faut. Justement, est-ce que c'est pas... Et le président de la République lui-même, ça commence par tout le monde, même le président de la République, qui croyait en un partenaire fidèle. Quand il dit qu'il crée, il lance l'idée d'une Union Sacrée, c'est qu'il se rend lui-même compte. Du fait d'être allé ensemble avec des gens dont la logique était de tuer l'État, de tuer la République. Donc, l'Union, c'est-à-dire quelqu'un, si on suivait, et Christian, je vais vous dire,
si on suivait les gens systématiquement dans ce qu'ils ont fait, il n'y aurait plus de politiciens dans ce pays. Et c'est au nom de ça que vous pardonnez tout le monde, vous prenez tout le monde, vous ouvrez non, la porte. Non, il s'engage. Nous ne sommes bon, moi je suis, ce n'est pas moi qui le fais. Mais lorsque personne dit j'adhère, j'étais dans la Kabylie, c'était une erreur, c'était une monstruosité, c'était la voie, c'était inique, injuste. Je ne pouvais pas aujourd'hui j'adhère à l'Union sacrée. Alors même dans la Bible, on vous dit quand quelqu'un s'est repenti, vous faites quoi? Mais vous ne craignez pas que demain il fasse la même chose aussi? Il peut vous quitter demain à tout moment. Non, mais le peuple, ce n'est pas à nous. Quand vous venez à l'Union sacrée, ce n'est vous ne venez pas vers Tshisekedi. Ce n'est pas l'Union sacrée pour Tshisekedi Fachi. Non. Ce n'est pas l'Union sacrée pour un individu. C'est l'Union sacrée de la nation. Quand vous quittez demain, vous trahissez la nation. La nation prend acte. Oui, mais après, le problème, c'est ces mêmes personnes qui ont déjà travaillé, qui ont posé des actes, qu'on a déjà vus. Oui. Qu'est-ce qu'ils vont venir faire quand on sait qu'ils viennent avec des agendas politiques? Bon, c'est la nation qui observe. L'Union sacrée de la nation, en fait, vous savez, son autorité morale, entre guillemets, c'est le peuple. C'est le peuple qui va apprécier. C'est le peuple qui va apprécier. Oui. Et ils ont fait un bon choix. Et je dois dire ceci, Christian. Vous savez, dans un siècle et demi, nous ne serons plus. Vous serez parti, moi aussi je serai parti, je serai entré dans l'éternité. Les générations futures ne comprendront pas que dans cette génération, il y a eu des gens qui étaient à l'école et même à l'université, mais qui n'ont rien dit quand on était en train de tuer leur peuple. Les générations futures s'élèveront et condamneront cette génération d'intellectuels corrompus, des professeurs sans état d'âme, des théoriciens du ventre et des politiciens du ventre. Les générations qui vont venir, mais ils vont se poser des questions sur nous. Mais ces gens, comment ils ont pu s'allier avec des gens qui détruisaient leur peuple, qui volaient l'État, qui détournaient tous les biens de l'État? Comment est-ce qu'ils ont pu danser pour des autocrates? Comment est-ce que ces gens, malgré leur diplôme, malgré leurs connaissances, comment est-ce qu'ils sont devenus des tambourinaires et des turiféraires de la médiocrité? Vous ne craignez pas qu'on dise ça de vous aussi? Non. Avec Félix Tshisekedi aujourd'hui? Non, Félix Tshisekedi doit faire un effort, il fera un effort. Moi aussi, je fais un effort tous les jours, parce que vous savez, le jugement, moi, ce n'est pas un individu. Qu'est-ce que la nation, l'histoire retiendra de moi? Je voudrais qu'on retienne de moi que celui-là aura été un intellectuel qui ne s'est pas laissé corrompre. Un intellectuel qui n'a pas cherché des maisons, qui n'a pas cherché des postes. Évidemment, si vous me donnez un poste, si c'est la primature pour moi qu'on me la donne. Mais je voudrais que les générations qui vont venir disent qu'on aura eu affaire à un intellectuel qui savait défendre un idéal. Et pour ceux qui pensent que vous faites pire que Bouchab à l'époque de Kabila, ou que vous louez Félix Tshisekedi, que vous produisez des pensées à son honneur et à sa gloire, et que vous êtes aussi aujourd'hui un tambourinaire, un turiféraire de Félix Tshisekedi. Non, moi je n'ai jamais dansé. C'est moi qui vous ai dit qu'il n'y aurait pas, de Tshisekedi désir comme il y a eu de Kabila désir. Non, il n'y en aura pas. Et le président de la République le sait. Il n'y aura pas de Tshisekedi désir. Tshisekedi Félix, le président a dit qu'on ne ferait pas de lui un dictateur. Nous n'allons pas produire ce que ces médiocres ont fait pendant 18 ans. Nous n'allons pas le faire, pour quoi que ce soit. Et notre président, vous avez un président, vous avez suivi son discours, il écoute. Mais il peut aussi se tromper, cet homme, Félix Tshisekedi, vous avez vu hier en prière. En train de confesser aussi ses péchés. C'est-à-dire Félix Tshisekedi n'est pas un saint. Félix Tshisekedi, c'est aussi un pécheur, vous l'avez vu à genoux. Félix Tshisekedi aussi peut se tromper comme vous et moi. Non. Nous ne défendrons pas un régime comme celui de la Kabylie qui est passé. Alors, et alors, on doit changer dans ce pays. Donc, si Félix Tshisekedi, le président de la République, il se trompe, il peut se tromper, mais on va l'aider. Et si moi-même, si le prof Mbata, vous trouvez que le prof Mbata s'est trompé, mais dites-moi, prof, ce n'est plus vous. Et je vais suivre le conseil quand je vérifie que je suis dans l'erreur. Parce que vous savez, c'est ce que j'ai dit. Errare humanum est, perseverare diabolicum. Se tromper, c'est humain. Nul n'est saint, nul n'est pas fait. Mais persévérer dans l'erreur. On vous dit que vous soutenez le mal. Vous continuez à danser pour la Kabylie, pour un régime foutu. Et vous allez parler de la société égale.
Donc, un régime qui a appauvri tout un peuple. Donc, on a voulu, quelqu'un a voulu privatiser l'État. Et vous soutenez, vous défendez parce que vous devez vivre. Vous faites la politique du ventre, vous faites la science du ventre. Moi, je vous dis, Christian, les générations qui vont venir après nous seront impitoyables face à des intellectuels corrompus, face à des politiciens corrompus. Elles seront impitoyables. Et quant à nous, nous devons rester humbles. Le peuple peut se tromper, Félix Tshisekedi, le président peut se tromper, mais on doit s'aider mutuellement. Quand vous me dites, je comprends que c'est une erreur, j'échange. Mais vous ne pouvez pas, comme vous avez cité Martin Fayoulou, pour vous tout est noir. Il n'y a rien de beau. On reviendra sur le discours. Sur le discours de Martin Fayoulou. Mais parlons-en. Professeur, parlons d'abord, avant de parler de Martin Fayoulou, je voudrais que vous puissiez nous parler de la, disons, du fonctionnement de l'Assemblée nationale en ce moment. Les Congolais veulent savoir qu'est-ce qu'on entend par une majorité parlementaire. Parce que finalement, les gens disent il y avait déjà une majorité parlementaire. Le FCC avait déjà des députés, il y avait des regroupements. Mais quand on lit l'article 5 de la Constitution, on parle que des partis politiques qui doivent compétir. Mais quand on va dans l'article 101, on se rend compte que là, on parle aussi du regroupement. C'est quoi exactement une majorité parlementaire? Comment elle se constitue? Comment elle est dégagée? Bon, il faut dire ceci. Que la majorité parlementaire, nous avons 500 députés à l'Assemblée nationale. Exact. Évidemment, quand on parle de majorité parlementaire, il faut faire attention parce que notre Parlement n'est pas monocaméral, c'est-à-dire il n'a pas une chambre. Le Parlement qui est composé de deux chambres, on l'appelle Parlement, il est bicaméral. Okay. Le nôtre est bicaméral. Alors que sous le régime de Mobutu, il était un Parlement monocaméral. Il n'y avait que l'Assemblée nationale, qu'on appelait d'ailleurs le Conseil législatif. Notre Parlement actuel est bicaméral parce qu'il comprend deux chambres, l'Assemblée nationale, qui représente, dont les membres représentent la nation, et le Sénat, dont les membres représentent les provinces. Alors, presque très souvent, lorsqu'on parle de la majorité parlementaire, on se limite seulement au niveau de l'Assemblée nationale. Ok, allons à l'Assemblée nationale. Nous avons des partis politiques qui ont concouru comme des partis politiques, ou même des groupements reconnus. Mmh. Je vais vous donner des exemples. L'UDPS, c'est un parti politique. Oui. Le PPRD, c'est un parti politique. Ok, mais AFDC et Alliés, c'était un regroupement, mais reconnu par la loi. Vous comprenez? Alors, lorsque un parti politique sur 500 députés, il a plus de 250 députés, il a la majorité. Okay. Lorsque vous n'avez, il n'y a aucun parti politique qui a 250, il n'y a pas de majorité. À ce moment-là, on doit désigner, on doit une personnalité à qui on confie le président, va confier une mission d'information à une personnalité. Donc, s'il y a un parti qui a 250 députés, plus un, on n'a pas besoin de nommer. On n'a pas besoin d'un informateur. À ce moment-là, le président nomme le premier ministre au sein de cette majorité-là. Comment ça se passe? Est-ce que c'est les députés qui viennent le voir pour lui présenter la liste des noms, ou le président de lui-même peut identifier, il peut se dire, bon, cette majorité-là, je nomme telle personne qui me plaît. Non, le président va constater. Va le constater. Il y a un bureau qui a mis en place. Ce sont les mêmes. Ils sont la majorité, ce sera connu même dans la composition des groupes. Oui, parce que chacun, quand vous adhérez, vous dites, par exemple, vous êtes du PPRD. Moi, je suis député de l'UDPS, ainsi de suite. S'ils ont la majorité, le président est obligé de désigner un premier ministre au sein de cette majorité-là. Le premier ministre doit provenir au sein de cette majorité-là. Alors, quand on parle de la majorité... Maintenant, quand il n'y en a pas... Maintenant, quand il n'y en a pas... C'est le cas des PS. C'est le cas. Il faut dire que ce qui s'est passé dans... Au début de 2019, c'était une fraude à la Constitution. Il n'y avait pas de majorité. Aucun parti, aucun regroupement n'avait la majorité. Et à ce moment-là, il fallait nommer un informateur. Mais ceux qui sont, ce n'est pas au président d'aller faire ce travail. Ceux qui étaient au Parlement, c'est-à-dire le FCC et le CAC, se sont entendus, ils ont produit un communiqué qu'ils ont la majorité. Le président a dû nommer un premier ministre venant de cette coalition-là. Alors, maintenant, cette coalition-là n'existe plus. Elle n'existe plus, la coalition FCC-CACH. Le président de la République s'est vu dans l'obligation de désigner, comme il l'avait annoncé lui-même, de désigner une personnalité à qui il confie une mission d'information pour identifier une coalition majoritaire. Et puis la personne qu'on confie, c'est Bahati Lukwebo. Maintenant, c'est Bahati Lukwebo. Est-ce que ce n'est pas ce qui gêne? Bon, il faut dire, je dois d'abord, sur Bahati, il faut quand même féliciter le président de la République pour l'université. Il y a un professeur d'université qui quitte et un autre qui entre. C'est un message aussi. Quel prof qui quitte?
Mais Ilunga. Ben c'est vous qui le faites partir, il n'est pas encore parti. Non, il est parti, c'est totalement... Non, professeur, il est encore Premier ministre. On va revenir, oui. je vous ai dit, il doit éviter le ridicule. Eh bien, le sort de Ilunga Ilunkamba est scellé. On a conseillé depuis le mois d'octobre, si vous avez des... Vous savez, les prêtres disent quoi? Oazana Matoye Ayoka. Qu'au celui qui a des oreilles entende. C'est depuis le mois d'octobre qu'on a dit, vous êtes âgé, vous êtes professeur d'université, de mon université ici au Congo, l'UNIKIN. Honorez l'université comme l'ancien professeur Lunda Bululu. Déposez votre démission. Non. Et je dis, évitez le ridicule. Et le ridicule pointe à l'horizon. Mais vous savez, si on rentre, la première des choses, c'est une motion de censure contre le gouvernement Ilunga Ilunkamba. Il sera ridiculisé. Et à ce moment-là, tu vas démissionner, tu seras ridicule. Tu seras ridicule. La session, c'est quand c'est le 5. S'il peut encore, s'il y a encore un petit honneur qui reste, qu'il démissionne avant l'ouverture de la session extraordinaire. Parce qu'il va partir. Son sort est définitivement scellé. C'est terminé, on l'a dit depuis 3 mois. Mais il résiste pour avoir l'argent, comme Premier ministre, peut-être. Mais son sort est scellé. C'est terminé, cette histoire. Mais quand c'est le prof, alors, tu le pouvais beaucoup. Ouais. On se pose beaucoup de questions, monsieur le professeur. On se dit, mais pourquoi Félix Tshisekedi choisit quelqu'un qui a un conflit permanent avec Kabila? Est-ce que ce pays doit être régi? Tout doit dépendre si vous avez des conflits ou des accointances avec monsieur Kabila. Non. Comment est-ce qu'on peut réfléchir comme ça? Le Congo, c'est quand même 100 millions d'habitants. C'est vous, c'est moi, c'est tous ces Congolais de la diaspora. C'est tous ces Congolais de l'intérieur du pays. Mais les faits politiques sont têtus. Non, mais ils sont têtus. Ce n'est pas parce que tu as des conflits. Ici, c'est avoir le conflit. Le plus grand conflit, ce n'est pas avec M. Kabila. C'est avoir le conflit avec le peuple congolais. Parce que M. Kabila va partir. Tu sais qu'il dit Félix, va partir. Vous allez partir. Je vais partir. Mais le plus grand conflit, c'est avoir le conflit avec la nation. Avec son peuple. Mais pourquoi le choix de Bathily Lukwebo? Quand on sait que Bathily Lukwebo a des litiges avec le FCC, il réclame un parti. Mais non, il réclame des députés. Le président ne réclame pas parce qu'il y a un litige avec le FCC. D'abord, il a récupéré tous ses députés. Et vous le savez. Mais il n'a pas récupéré le ministère du gouvernement. Oh, c'était un gouvernement foutu. Maintenant, le gouvernement qui vient, le Bathily sera là. Il peut mettre Premier ministre. Ah, de l'informateur au Premier ministre. Il peut devenir le Premier ministre. Parce que l'informateur, il y a deux choses. Ou c'est lui qui a la mission d'information. Il peut proposer qu'après la mission d'information, quelqu'un d'autre peut être nommé Premier ministre. Mais celui qui a la mission, il a la chance de devenir Premier ministre. Donc, le ministre Bahati, l'honorable Bahati, à qui on a confié la mission d'information, il a les chances de devenir le prochain Premier ministre. Ok. Et alors, pourquoi vous ne parlez pas du formateur du gouvernement? Bon, c'est lui le formateur. Ah, d'accord. Oui. Maintenant, il n'est pas encore formateur. Okay. Non, formateur. Maintenant, il est juste un formateur. Maintenant, il a juste la mission d'information. Ouais. Alors, professeur, quand on aura, par exemple, comment le jeu va se passer? Que va faire le professeur Bathily Lukwebo exactement? Il va aller partie par partie, regroupement par regroupement? C'est lui qui va ou c'est eux qui viennent vers lui? Bon, les deux. Les deux sont possibles. C'est lui qui va et les autres viennent. Vous avez vu dans l'Union Sacrée, par exemple. Ouais. Les autres sont venus. Ouais. Il va les regrouper ou va les catégoriser? Comment il va faire? Comment ça va se passer? Il va les mettre en bloc? Ils sont là. Tout ce que je peux vous dire, je ne peux pas donner. D'abord, je ne suis pas. Ce n'est pas moi. Je leur ai aussi souhaité d'avoir la mission d'information. Ce n'est pas moi qui ai reçu la mission d'information du président Félix Tshisekedi. Laissez cette chance-là à l'honorable Bathily Lukwebo. Vous l'invitez, il va vous dire comment il va opérer. Le laisse travailler. Est-ce que cette nomination ou cette désignation ne viole-t-elle pas la Constitution quand on dit... Parce que j'ai entendu les gens du PPRD dire, par exemple, comment on nomme un informateur alors qu'il n'y a pas de démission du gouvernement? Il n'y a pas de démission du gouvernement. Comment ça se passe? Et puis, il y a l'autre volet de la question, c'est que pourquoi la nomination de l'informateur vient avant la formation du bureau de l'Assemblée nationale? Bon, voilà. Bon, je crois que quand on parle de ces questions de droit, cher ami Christian, ne me citez pas le FCC. OK. Parce que je vous dis, ils n'ont pas de constitutionnalistes. Alors, on pose des questions. Non, mais c'était pas le FCC. Le FCC, ce qu'il peut mieux faire, c'est de recycler ses cadres. Hein? Recycler, il a des juristes, il y a des juristes au FCC. Certains sont même professeurs d'université. Il faut essayer de recycler en droit constitutionnel.
Mais le FCC n'est pas seul. Le FCC a aussi à ses alliés. Quand vous citez le pauvre Kabamba, les CID et tout, ce sont des alliés du FCC. Ils peuvent se recycler en droit constitutionnel. Je dis ceci. La nomination de la désignation du prof Bahati pour assurer la mission d'identification d'une coalition, elle est conforme à l'article 78 de la Constitution. Oui. Elle est conforme. Vous savez, le président est très bon. Parce que je vous avais dit ici, il avait deux choix. Ou bien retirer son ordonnance qui nommait Ilunga Ilunkamba et son gouvernement, et il était tombé comme une feuille morte. Mais le président, cela ne lui intéressait pas, il a choisi de nommer, et de désigner, de confier à quelqu'un une mission d'information conformément à la Constitution. Parce que nos amis du FCC et des autres, et les alliés, FCC et alliés, disons PPRD alliés, et ils croyaient qu'on reviendrait vers vous, il y a une ordonnance, on va désigner, on va demander le contre-saint de Ilunga Ilunkamba. Mais qui va demander le contre-saint de Ilunga Ilunkamba? Donc, il y a même votre professeur belge qui disait, qui va demander le contre-saint à la signature de Ilunga Ilunkamba qui a perdu toute la confiance du chef de l'État? Qui va lui demander? Mais la loi dit quoi, prof? Qu'est-ce que dit la loi à ce sujet? La loi dit ceci à l'article 78. Faute d'une majorité. Faute d'une majorité. Vous pouvez lire à tous. Si une telle majorité n'existe pas... Commencez par le commencement. Le président de la République nomme le Premier ministre au sein de la majorité parlementaire après consultation de celle-ci. Il met fin à ses fonctions sur présentation par celui-ci de la démission du gouvernement. Si une telle majorité n'existe pas, le président de la République confie une mission d'information à une personnalité en vue d'identifier une coalition. La mission de l'information est de 30 jours renouvelable une fois. Voilà, vous pouvez vous arrêter là. C'est sûr qu'il n'y a pas de majorité? Aucun parti n'a la majorité. Est-ce que c'est discutable, ça? Est-ce que c'est discutable? Est-ce que le PPRD a la majorité? Non. Non. Mabunda, tout le bureau est tombé. Tout le bureau FCC est tombé. Donc, même le FCC n'a pas, le fameux FCC, il n'y a pas de majorité. D'ailleurs, le FCC n'est pas connu, non? Ce n'est pas un parti politique. Oui. C'est un fait. C'est une plateforme. Qui n'existe pas au niveau du Parlement. On ne connaît pas FCC. On connaît le PPD, on connaît AFDC, on connaît le MLC. On ne connaît pas FCC, on ne connaît pas la MOUC, on ne connaît pas Cash. Non, on ne connaît pas. Donc ces gens-là n'ont pas de majorité. Quand il n'y a pas de majorité, logiquement, le président de la République, respectueux de la Constitution, comme il n'y a rien à comparer avec son prédécesseur. Comme il n'y a pas de majorité, il confie la mission à une personnalité qui va identifier une coalition majoritaire. Et il l'a fait, c'est Bahati. Bon, il ne l'a pas fait par ordonnance. Oh. C'est ça la question. Oui. Bon, ils sont perdus vraiment, les amis. Il faut rentrer au cours. Mais il n'a pas besoin d'ordonnance pour nommer un informateur. Ben, dites-nous, prof, comment ça? Non, il n'en a pas. L'ordonnance est désignée verbalement, il n'y a pas d'ordonnance. Non, mais c'est un communiqué, il pouvait faire une lettre. Non, mais vous savez, l'informateur est désigné par communiqué et non par ordonnance présidentielle. Non, il l'a fait, il pouvait... Il n'a pas fait, il l'a désigné par un, c'est un communiqué, ça suffit. Parce que la Constitution, cette Constitution ici, ne vous dit pas qu'il faut une ordonnance pour nommer un informateur. Il n'y en a pas. Voilà la Constitution que nos amis du FCC et les alliés. Mais c'est la même chose aussi. Alors, allez à l'article 79. D'abord, l'article 78, le président nomme le Premier ministre au sein de la majorité. On ne dit pas, qu'il doit nommer par ordonnance présidentielle. Donc, on peut aussi nommer un Premier ministre par communiqué. Non, non, non. Christian. Allez-y, prof. Dites-moi. La Constitution est assez claire. Attendez un instant. Oui. Un instant. Lisez l'article 79 vers la fin. 79. Oui. 79, comme disent les Belges, comme dirait mon... À la fin, le président de la République promulgue les lois dans les conditions prévues par la présente Constitution. Il statue par voie d'ordonnance. Les ordonnances du président, autres que celles prévues aux articles 78 alinéa 1er... Stop. Oui. Vous m'avez dit non, mais quand il nomme le Premier ministre, on n'a pas dit que c'est par ordonnance. Oui. Et si cet article vous dit quoi? Les ordonnances autres que celles prévues aux articles 78 alinéa 1er. C'est que vous avez vu la réponse. Donc, c'est que pour nommer le Premier ministre, il faut une ordonnance. Ben alors la même aussi l'informateur, c'est toujours la même ordonnance. C'est 78 alinéa 1, s'il vous plaît. Relisez l'article 79. Oh, les ordonnances autres que quoi? Autres que... Oui. L'article 78.
le président de la République nomme le Premier ministre au sein de la majorité parlementaire. Bon, non, non, 79, le dernier alinéa. Le dernier alinéa, oui. 79, c'est... les ordonnances du président de la République, autres que celles prévues aux articles 78, alinéa premier. 78, alinéa premier. Quel est l'alinéa premier? C'est le président de la République nomme le Premier ministre au sein de la majorité. Mais alors, quand vous étiez en train de vous dire, mais quand il nomme un Premier ministre, on n'a pas dit que c'est pas l'ordonnance. Là, on vous dit quoi? C'est spécifique qu'il faut une ordonnance quand il faut nommer un Premier ministre. Exactement. Mais quant au deuxième alinéa... Non, il n'y a pas une ordonnance prévue. Ouais. Et puis, il faut écouter une chose. C'est technique quand même. Hein? Mais c'est ça le droit constitutionnel. Quand je vous dis que tout le monde n'est pas juriste, tout juriste, c'est fameux, spécialiste, tout juriste n'est pas constitutionnel, même quand il a un doctorat en droit, les gens prennent ça à la légère. Donc, je vais vous dire une chose. Attendez, prof. Donc, si je comprends bien, pour que les Congolais comprennent, donc on peut avoir une disposition, dans une même disposition, un seul alinéa est considéré, est concerné par une ordonnance, et que les autres alinéas ne sont pas considérés par la même ordonnance. Mais c'est ça, vous en avez la preuve. C'est technique, en tout cas. Vous en avez la preuve. Ouais. Et je vais vous dire une chose. D'accord. On est un peu à tomber dans le journalisme. Mais le terme informateur n'est pas constitutionnel. Le mot informateur n'existe pas dans la Constitution. Ben, ça c'est grammatical. Non, ce n'est pas du journalisme. Les juristes, vous savez, c'est ça le droit constitutionnel. Le mot informateur n'existe pas dans la Constitution. Qu'est-ce que le président a fait dans la Constitution? Il confie une mission. C'est confier une mission d'information. À la personnalité. Oui. Et vous voyez, et là, c'est qu'est-ce qui dure pendant 30 jours maximum? Oui, c'est 30 jours, renouvelable. C'est quoi là? La mission d'information. C'est la mission d'informateur. Ce n'est pas le mandat de l'informateur. Donc, on insiste sur la mission d'information. Le terme, il faut dire ça à nos amis du FCC et à leurs alliés, le terme même informateur n'existe pas dans la Constitution. Il n'existe nulle part. Et maintenant, je vais y ajouter ceci. Il faut... Et voilà pourquoi ce président, Félix Tshisekedi, est très bien entouré en matière de droit. Ouais, le communiqué. Le communiqué qui désigne, qui parle du professeur Bahati, vous ne trouverez pas le mot informateur dans ce communiqué-là. On dit consécutivement à la, à la mort, entre guillemets, comme il n'y a plus de coalition, l'accord n'existe plus, le président confie une mission d'information. Donc, on reprend les termes constitutionnels. On refuse de tomber dans l'informateur. Sinon ça... On ne cite pas parce que ce régime, le président Félix Tshisekedi est très bien entouré, mieux entouré que son prédécesseur en matière de droit. On ne reprend même pas le terme informateur parce que, quoi qu'en dise la presse, pour nous, le terme n'est pas constitutionnel. Nous l'avons même, il a même été exclu dans le communiqué qui annonce que la mission a été confiée à Bahati. Et disons aussi une chose, vous voyez, le président nomme, il faut une ordonnance. Mais quand vous confiez une mission, vous n'avez pas besoin d'une ordonnance. Mais le président de la République, demain vous allez en Bandaka. Mais le président Félix Tshisekedi peut vous confier une mission à Christian Bossembe quand il va en Bandaka. Il n'a pas besoin d'ordonnance. Okay. Le président de la République, lorsque vous voyez, il a envoyé un émissaire auprès du président gabonais, du président sud-africain, un émissaire porteur d'une lettre. D'une mission quelconque. Vous avez entendu qu'il faut une ordonnance pour nommer le monsieur? À qui? Celui à qui il a confié la mission. Pour aller remettre la lettre, il doit signer une ordonnance, mais ces gens, il faut se recycler en droit constitutionnel. Mais c'est très profond parce que là... Bon, et puis je vais vous dire, il y a d'autres dispositions. Le président convoque le conseil des ministres. Le président convoque le conseil des ministres. Oh. Il y a une disposition comme ça, non? Ben, c'est vous le prof, je vous écoute. Non, mais bon, vous êtes devenu, vous êtes... Cette émission, c'est une émission... vous êtes habitué à cela. Oui. Lisez l'article 79. Le début. Le président de la République est le chef de l'État. Il représente la nation et il est le symbole de l'État. 79, pas 69. 79, 79, 79 voilà. Pour dire les Belges. Le président comme les Belges, qui s'intéressent beaucoup plus aussi à notre droit constitutionnel. Le président de la République convoque et préside les conseils des ministres. Stop. Article 79, premier alinéa. Le président de la République convoque et préside le conseil des ministres. Il convoque par ordonnance... Dites-moi. Non, il faut une ordonnance. Le président de la République convoque le conseil des ministres. Est-ce qu'il le fait par ordonnance? Mais quand même, si on ne comprend pas le droit constitutionnel, cher ami Christian, les gens doivent se recycler.
Il convoque le conseil des ministres, il le fait par ordonnance. Vous voulez voir l'ordonnance en tout? Mais le président peut se charger d'une mission, va quelque part, il doit signer une ordonnance. Il ne respire que par ordonnance. Donc vous voulez dire quand le président Félix Tshisekedi, lorsqu'il tousse, il doit prendre une ordonnance pour tousser. Non, non. Ses amis du SEC et leurs alliés doivent se restituer à droit consommé. Mais dites-nous, prof, à quoi sert une ordonnance? Il répond pourquoi? Bon, une ordonnance, c'est un acte juridique qui confère des droits et qui établit une situation juridique déterminée. Il y a des implications terribles. Et une ordonnance, vous pouvez même l'attaquer en justice, n'est-ce pas? Vous pouvez aller, si elle est, vous estimez qu'elle ne respecte pas la Constitution, vous pouvez l'attaquer en justice. Mais le président, quand il fait un message, il adresse des messages à la nation, il doit le faire par ordonnance. Hein? Le président, ça ne fait pas de message, il doit le faire par... des... Non! Le président peut confier d'autres missions. Et pourquoi, pourquoi la nomination du premier ministre pour, oui, non, non, je veux dire, pourquoi la mission de l'information a précédé la désignation ou l'élection du bureau de l'Assemblée nationale? Non, non, c'est-à-dire, dès lors qu'il se rend compte qu'il n'y a plus de majorité, d'ailleurs, elle est venue trop tard, elle est venue assez tard, pas trop tard, hein? Dans les 4 jours qui suivaient son discours, ou même de la chute du bureau du FCC, Mabunda, le président pouvait nommer un informateur. Okay. Dès le moment qu'il constate qu'il n'y a pas de majorité, il peut nommer. Il n'a pas besoin d'attendre qu'il y ait un bureau définitif. Non, il n'en a pas besoin. Mais est-ce que il n'a pas besoin non plus qu'Ilunga, Ilunkamba démissionne. Oh. Non, on n'en a pas besoin. Il peut garder sa lettre de démission. Mais qu'est-ce qu'il peut faire maintenant? Qu'est-ce que l'informateur fait maintenant, à un moment qu'on n'a pas encore le bureau La mission d'information, vous savez, le bureau FCC est tombé. Oh. N'est-ce pas? Oui. Il y a des nouvelles qui l'ont fait tomber. C'est la mission d'information. Va t'informer. Revenons à l'ordonnance. Quelle est la mission en fait de celui qu'on appelle informateur? Va t'informer. Va voir qui détient la coalition majoritaire. La majorité là-bas, il vient me dire, me fait rapport. Mais va observer pour moi et me fait mon rapport. J'ai besoin d'une ordonnance, Christian. Je peux t'avouer aujourd'hui, va un peu en Mbandaka là-bas, dis-moi. Si l'université de Mbandaka mérite d'être appelée université, est-ce qu'ils ont une bibliothèque? Est-ce qu'ils ont des ateliers? Tu n'as pas besoin d'une ordonnance. Alors, donc, il aurait pu le faire bien avant pour que, pendant ce temps, l'informateur se met au travail. Alors, comment ça va se passer votre cabinet? Disons, votre parlement, votre assemblée nationale, comment ça va se passer? Quels sont les enjeux qui sont mis en contribution maintenant? Bon, c'est que la session extraordinaire, c'est la semaine prochaine. Okay. Nous rentrons en session extraordinaire et la Cour constitutionnelle qui dit le droit a déjà tranché. Pendant cette session... C'est quand déjà le 5 janvier, vous avez dit? Je crois le 5 janvier. C'est mon anniversaire le 5 janvier. C'est votre anniversaire. Alors vous avez un bon anniversaire. Un très bon anniversaire. Oui, c'est le début des choses. C'est fini. La distraction est terminée. Oui. Le FCC, la Kabylie, a entretenu le président Félix Tshisekedi dans une grande distraction. Nous tous, tout le peuple congolais. Oui. Toujours des conflits. Est-ce que nous, tout le monde doit vivre FCC cash? Les gens doivent cesser d'exister parce que vous êtes une coalition? Non. Une coalition. Revenons. Il y aura une session extraordinaire. Oui. On va mettre en place un bureau définitif. Et puis, définitivement, si le prof Ilunga Ilunkamba n'a pas démissionné, on va le faire tomber de la façon la plus ridicule. Alors, vous allez le faire après le bureau? Non, on n'a pas besoin. On ne va pas vous dire quand on va le faire. On nous dit même pas. Devant le bureau. Même avant le bureau. Même avant le bureau. Un premier ministre peut tomber avec le bureau d'âge? Ce n'est pas le bureau d'âge. Est-ce qu'un premier ministre peut tomber avec l'Assemblée nationale? Oui, mais l'Assemblée nationale est régie. Non, c'est-à-dire l'Assemblée, quand elle siège là, elle est souveraine. Elle a un ordre du jour, elle peut changer un ordre du jour. Elle vous dit, nous commençons par le choix, la motion de censure, et puis nous allons voter le bureau permanent après. Est-ce qu'on ne va pas attaquer cette décision? On va l'attaquer où? Parce que ça, c'est permis par l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Donc l'Assemblée siège. Donc, ce bureau d'âge est valide? L'Assemblée, quel que soit le bureau, dès qu'il y a une session, il est habilité, il y aura une session extraordinaire, légale, approuvée par la Cour constitutionnelle, et l'Assemblée, parmi ces les matières qui seront à l'ordre du jour, c'est l'Assemblée qui va les examiner, pas le bureau d'âge. Ne réduisez pas ça au bureau d'âge. D'accord. Ouais. Alors, comment ça va se passer techniquement? Les élections, par exemple, comment se prépare l'IDPS? Vous voulez récupérer le bureau, vous voulez avoir 2-3 postes,
Comment ça va se passer? Comment vous allez partager les agendas? Bon, il faut dire que moi, je n'engage pas l'UDPS. Oui. Hein? Je suis certes député de l'UDPS, mais je n'engage pas l'UDPS. Mais à titre personnel, j'estime que l'UDPS doit avoir un poste très important au bureau de l'Assemblée nationale. Lequel? Pourquoi pas le président de l'Assemblée nationale? Non, mais ça ne fera pas bon quand même. Qu'est-ce qui ne ferait pas bon? Le président de la République sorti de l'UDPS, le président de l'Assemblée de l'UDPS, on balance. Qu'est-ce que vous corrigez? Je vais vous dire une chose d'abord. Un, le président de la République, c'est la première institution, ne le mettez pas sur le même pied d'égalité que toutes les autres. Le président de la République est élu par tous les Congolais. Écoute, ça, ça doit être clair. Qu'on enlève le président de la République, c'est lui l'arbitre, non? Pourquoi vous voulez remettre l'arbitre sur le terrain? C'est lui l'arbitre. L'article 69 dit quoi? Il est l'arbitre du bon fonctionnement des institutions, oui. Y compris l'Assemblée nationale. Oui. Mettez l'arbitre à côté, vous voulez faire rentrer le président Félix Tshisekedi dans l'arène, pourquoi? Mais la beauté de la démocratie, professeur. Non, mais il est l'arbitre, c'est ça la démocratie. Il est élu par tous les Congolais. Quelles sont les institutions qui restent politiques? Il reste le gouvernement. L'UDPS n'aura pas le gouvernement. Il reste le Parlement. Oui. L'UDPS actuellement n'a pas le Sénat et l'Assemblée nationale. Et vous voulez interdire ça à l'UDPS? Et vous voulez dire que vous avez le président? Non! Est-ce que vous n'allez pas tomber dans la gourmandise du PPRD? Parce que ce qui a tué le PPRD, c'est aussi le fait de tout, non, ça, non, de tout prendre. Non, 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 non. Moi, je dis que je n'engage pas d'abord l'UDPS, oui. Mais c'est un point de vue personnel du professeur André Mbatt. Okay. Oui. J'estime que l'UDPS doit diriger l'Assemblée nationale. Avoir le président de l'Assemblée nationale. Ou avoir l'un des postes les plus au bureau de l'Assemblée nationale. S'il ne dirige pas, ça doit être... il doit occuper la présidence, sinon l'un des postes les plus importants au bureau. C'est-à-dire le premier vice-président. Ce serait le minimum. Le minimum. L'idéal pour moi, à titre personnel, c'est que l'UDPS dirige l'Assemblée nationale. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce que, vous savez, ici, nous n'avons pas ce terme-là d'autorité morale. Laissez ça au FCC aux autres. Celui qui a conçu l'union pour la nation, l'union sacrée de la nation, c'est qui? C'est Félix Tshisekedi, le président de la République. Il a... Le programme de l'union pour la nation sera porté par le gouvernement, dirigé par un premier ministre qui, lui, sera des alliés de l'UDPS au niveau de l'union sacrée de la nation. Oh. Ce sera le premier ministre qui va diriger ça. Mais maintenant, pour contrôler que le programme de l'union sacrée, hein, de l'union sacrée, s'exécute, c'est l'Assemblée nationale qui contrôle le gouvernement. Alors, le parti du président de la République, c'est lui qui a conçu, qui a eu l'idée de l'union sacrée pour la nation, vous l'excluez de la direction du gouvernement qui a le programme, et pour le contrôler, vous l'excluez. Ce ne serait pas logique. Il faut choisir en tout cas. Soit le gouvernement, soit l'Assemblée nationale. Bon, ils doivent choisir. C'est pourquoi j'ai dit l'Assemblée nationale, l'UDPS devrait diriger l'Assemblée nationale. Et c'est le point de vue du professeur André Mbatt. Sinon, le président Félix Tshisekedi, vous avez l'union sacrée pour la nation, le programme, c'est le premier ministre. Il vient de nos amis de l'union sacrée, qui pas UDPS. Ce programme doit être contrôlé par l'Assemblée nationale. Et à l'Assemblée nationale, vous n'avez pas l'UDPS? Non, ce ne serait pas logique. Mais au sein de l'UDPS, est-ce qu'il y a déjà des ambitions qui se dessinent? Bon, au sein de l'UDPS, je vous ai dit que je n'engage pas l'UDPS. Oui, il faut demander à Jean-Marc Kabound, il faut demander à Augustin Kabouya, il faut demander à Chabani. Vous avez fait la paix, on dirait. À Chabani. Vous avez fait la paix avec eux. Et il faut demander, donc il faut demander à tous ceux-là. Il faut demander à tous les organes. Je mets tout le monde ensemble. D'accord. Oui. Je mets tout le monde ensemble. Mettez Chabani. Mettez celui qui fait office de président Haï, c'est Jean-Marc Kabound. Demandez à Jean-Marc Kabound. Oui. Et si Jean-Marc Kabound veut revenir président, vous allez le soutenir? Non, bah, c'est l'UDPS. Je ne suis pas quand même venu ici pour parler de l'UDPS. Oui. Ouais. Mais alors... Mais c'est tout ce que j'ai dit, c'est que l'UDPS doit, dans l'idéal, diriger l'Assemblée nationale, sinon occuper l'un des postes les plus importants. Sinon, qui va contrôler? Vous avez un président qui fait l'union sacrée, qui établit le programme. Il n'est pas au gouvernement, c'est le gouvernement, c'est un autre. Vous laissez et le gouvernement et l'Assemblée nationale, comment vous allez suivre votre programme? Mais il y a l'IAO qui veut être président de l'Assemblée nationale, il y a l'Outundula qui veut être président de l'Assemblée nationale, il y a l'Okondo qui pense aussi diriger l'Assemblée nationale, Madame Bazaïba, professeur Jacques Njoli, c'est comme des noms qu'on entend. Bon, mais les candidatures n'ont pas encore été déclarées. Quand, oui. Quand ce sera l'étape des candidatures, tout ça, ce sont des bruits. Ouais. Est-ce que vous serez candidat?
le moment n'est pas encore venu, c'est prématuré. Il faut attendre. Vous, on voit plutôt au gouvernement, il paraîtrait. Bon, je ne sais pas. Vous savez, je suis un peu un serviteur inutile. Ouais. Un peu comme dans la Bible. Quand on dit, mais le pauvre a fait ceci. Vous savez, dans la Bible, le Seigneur dit ceci. Il dit à ses apôtres, dites-nous, nous sommes des serviteurs inutiles. Ouais. Parce que nous n'avons fait que notre devoir. J'ai fait mon devoir comme constitutionnaliste pour défendre l'état de droit dans mon pays. Alors, si on estime que je peux occuper les fonctions à un niveau ou à un autre, au nom de la nation, pour servir la nation, je ne vais pas m'exclure. Alors, est-ce que nous pouvons espérer le gouvernement avant le 15 janvier? Bon, c'est tout possible. Ça risque d'être trop serré, mais je pense que la mission d'information, le pauvre Bahati n'a pas besoin de moi. Il a besoin de 2 semaines pour faire un rapport au président de la République, qui a une nouvelle majorité, et permettre au président de la République de nommer un premier ministre. Je crois, moi, que le président Félix Tshisekedi ne peut pas commencer son mandat le 1er février comme président de l'Union africaine sans avoir un premier ministre. Alors, il a tout intérêt de le oui. faire. Oui, donc ça doit aller vite, parce que notre président, on l'a dit, pour la première fois depuis des décennies, le président Félix Tshisekedi, le président congolais, c'est le président de l'Union africaine. Quelque chose qu'on n'a jamais vu. Mobutu n'a jamais été président de l'Union africaine. Mobutu, oui. Mais Mobutu, après Mobutu, oui. Personne. Celui qui est parti n'assistait même pas aux réunions de l'Union africaine. Nous étions inconnus. Non. Pour la première fois, le Congo est de retour. Nous avons la présidence de l'Union africaine. C'est quoi les enjeux? Les enjeux? Mais oui. Vous dirigez le continent. C'est vous devez vous prononcer sur tous les problèmes majeurs sur le continent africain. L'agression du Rwanda, vous allez en parler? Tout, s'il y a agression. Tout. Toutes les questions. Et puis, vous représentez l'Afrique. G7 avec les États, avec l'Union européenne, plusieurs sommets. C'est vous qui portez la voix de l'Afrique. Et pour la première fois, le drapeau congolais va flotter avec le drapeau de l'Union africaine. Alors, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu depuis plusieurs années. Est-ce que Félix Tshisekedi est préparé pour cette tâche? Félix Tshisekedi est très bien préparé pour cette tâche. Il n'a pas attendu parce qu'il y a une équipe qui a été mise sur pied. Et là, il a été nommé. Vous avez le prof Tumbalwamba, un grand juriste qui a occupé des grandes fonctions dans le passé. Il était ministre d'abord, et puis il a dirigé la CIRGL. On a vu le prof Ndaiwel. Oui, le prof Ndaiwel, ce sont des grands noms, c'était un grand historien de ce pays. Est-ce que ce ne sont pas des technocrates, tout simplement? Mais il faut des technocrates pour assister le président. Vous n'allez pas faire la politique là-bas. Vous êtes là pour assister le président. Vous devez amener les grands noms. Vous avez Moukoko Samba, l'un de nos économistes respectables. Cacique du FCC. Il est cacique du FCC. S'il adhérait à l'Union, moi je ne sais pas qu'il est cacique du FCC. Il est à l'Union sacrée de la nation. Mm. Donc vous avez ces éminences-là. Et le président l'a encore choisi, les professeurs. Parce qu'il peut, il y en a des bons. Alors, qui doivent l'accompagner. Et on a... Je suis en Afrique du Sud. Je n'ai pas vu le président Ramaphosa nommer une équipe avant de devenir président de l'Union africaine. Donc le président Félix Tshisekedi est mieux, très bien préparé. Mieux préparé que Ramaphosa. Je sais de quoi je parle. Mieux préparé plusieurs mois avant. Il met en place une équipe qui aborde tous les problèmes continentaux qui doivent l'assister pour que ce pays... Il faut que la présidence congolaise de l'Union africaine soit une présidence historique. Oui, mais... Et donc, je crois que le président Félix Tshisekedi est préparé à cela. Le rapport entre Félix Tshisekedi et le Rwanda... Le rapport entre Félix et Burundi, l'Ouganda, tous nos pays voisins avec qui on a eu des conflits, comment ça va se passer? On a des agressions sur le territoire congolais. Némi Mulani a parlé de plus de 5 groupes armés sur le territoire congolais. Alors, comment est-ce que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, deviendra le président fédérateur de l'Union africaine lorsqu'au niveau de son propre pays, il y a des problèmes? Non, c'est-à-dire, Némi Mulani, mais les groupes armés, ce sont eux qui les ont laissés. C'est le FCC, il était directeur de cabinet de Joseph Kabila, ce sont eux qui ont laissé le groupe armé. Oui. Je me demande même s'ils n'étaient pas tous, ce n'étaient pas les autorités morales de ces groupes armés dans l'est du pays. Je ne sais pas. Mais ce qu'il faut dire, c'est que à l'heure actuelle, les États n'ont pas d'amis. Les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Le Rwanda n'a pas intérêt à agresser le Congo, la RDC aujourd'hui. L'Ouganda non plus n'a aucun intérêt à agresser la RDC aujourd'hui. Donc ces agressions, ce sont des choses qui appartiennent au passé. Je ne vois pas, moi, le Rwanda ou l'Ouganda ou le Burundi agresser la RDC aujourd'hui. Donc la présence du président Félix Tshisekedi au niveau de l'Union africaine peut résoudre beaucoup de problèmes africains. Et... Beaucoup de problèmes. Très bien. Beaucoup de problèmes. Alors on termine cette émission, professeur Mbata.
Je vous lis un paragraphe de Martin Fayulu et on termine avec ça. Congolais, Congolaise, je vous appelle au discernement. Je vous invite à ne pas vous laisser berner par des petites guéguerres de positionnement servies par ceux qui ont confisqué votre souveraineté. Ces derniers ont opté pour la théâtralisation à choix raisonné et à la manipulation afin de mettre en scène un divorce politique à vos yeux, alors qu'ils affirmaient il y a peu qu'il n'y avait pas de crise en RDC. En réalité, ce à quoi nous assistons aujourd'hui n'est rien d'autre qu'une tentative de faire subtilement oublier le bilan négatif des deux dernières années par la mort nominale de la coalition FCC-CACH. Les fusibles ont sauté et vont continuer de sauter. Des pions ont été déplacés. Un nouveau nom a été trouvé, mais le système reste le même. Et avec lui, le calvaire du peuple congolais. Ne soyez pas distraits, chers compatriotes. L'union sacrée n'est rien d'autre que la seconde grossesse du couple FCC-CACH. On termine. Bon, voilà. Est-ce qu'il faut vraiment commenter les... Mais je dois dire, c'est ça la théâtralisation. Ça, ce n'est pas le discours du président élu. C'est le discours de l'opposé. C'est ça la théâtralisation. Il a signé comment? Il a signé président élu, hein. Ouais, donc, bon... Comment il a signé? Non, justement, il n'a pas signé. Il a simplement signé son nom et puis c'est tout. Martin Fayulu Madidi. Bon, voilà. Il n'est plus président élu. Donc, c'est ça la théâtralisation de la vie politique au Congo. Il n'y a aucun pays où vous allez trouver un président élu aujourd'hui. Ouais. Hein? Donc, ici, ce qu'il faut dire, il est dans son rôle d'opposant. Ouais. Hein? Et là, il ne faut pas le condamner. Il est dans le rôle d'opposant où il va faire sûrement une coalition avec le PPRD. Donc, ce sera la coalition minoritaire. Il est dans son rôle d'opposant. Il ne faut pas trop commenter. Katumbi Bemba serait des traîtres. Ils auraient trahi, selon Fayulu. C'est des hommes inconstants, ils n'ont pas de constance. Non. L'inconstance, ce n'est pas persévérer dans la médiocrité. Katumbi et Jean-Pierre Bemba, que je salue, ils ont opté pour l'Union sacrée pour la nation parce qu'il faut sauver la nation. Mais M. Fayulu, lui, se met du côté de l'inanition de la nation. Donc, c'est un allié de UFC, du PPRD. C'est un allié de M. Kabila. C'est tout à fait clair. Alors, Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi, ce sont des patriotes qui ont compris à un moment donné. Et puis, chacun a son parcours dans le passé. Il peut être mauvais, il y a des méandres. Ce ne sont pas des saints. Très bien. Et personne n'est saint. Mais ils ont choisi la cause de la nation. Et il faut les féliciter pour cela. Les féliciter. Et ce sont eux. C'est plutôt ceux qui ne veulent pas aller dans le sens de la nation qui deviennent des traîtres à la nation. Merci beaucoup, professeur. Est-ce que vous avez des vœux par rapport à cette année qui commence? Bon, j'en ai absolument. J'en ai. C'est vous féliciter. Vous avez fini une année impressionnante. Merci. Je crois que Congo Base a fait un grand travail. Quand on voit le nombre de correspondants qui viennent des appels, donc les gens vous suivent en Europe, aux États-Unis, je les salue, en Europe, en Asie, sur le continent africain, dans le pays, les gens vous suivent énormément. Merci. Et je leur présente tous mes voeux les meilleurs. Nous espérons que cette année sera meilleure que toutes les années précédentes, parce qu'il faut que cette nation se mette debout. Nous ne pouvons pas être ridicules d'être dans un pays parmi les plus riches du monde et suivre ce que nous sommes en train de vivre. Et je l'ai dit même pour les universitaires et pour les politiciens, les générations futures s'élèveront et condamneront cette génération pour avoir toléré la médiocrité pendant plus de 18 ans. Je souhaite que l'année nouvelle sera prospère. Je souhaite aussi de bonnes choses. J'espère que Congo Base aura sa télévision. Dieu merci. Et l'année qui commence. Oui. Et vous-même, vous n'êtes pas que journaliste, vous êtes aussi un juriste. C'est pourquoi vous devriez former nos amis de FCC et alliés sur les questions de droit constitutionnel. Je suis heureux que vous ayez pris une inscription en DES pour faire le doctorat à la faculté de droit constitutionnel. Ça, c'est une très bonne chose et vous serez bien encadré. Vous êtes les bienvenus. D'accord. Je rappelle que je vais aller faire vraiment avec... je vais suivre la ligne et je deviendrai professeur de droit constitutionnel juste après le prof Mbadaka. C'est un grand plaisir, mesdames et messieurs. Je vous retrouve très prochainement. Portez-vous bien, que la peur quitte dans l'esprit et que Dieu bénisse les RDC. Plus précisément la carte de Washington. Balobi maman Marthe né. Maman Marthe né. Balobi shop Africa Union. Mais toi t'es un nyosso. Biloko ya ya ni ni Congolais. On y dit ne ko la yo. A sali sa yo te. Pour la Corée la yo. Moko ba bon de la yo.
Loye mbolo nende ya lisanga